baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Sympa comme, comme système en fait. Si tu veux, tu prends une bouée, ça te coûte 2 euros et ouais. Tu as un petit bateau qui te ramène. Et ici, ben, à Cadaqués, tu peux aller manger tout ça, 2 euros de l'heure, et voilà. Et du coup, tu peux aller manger, te reposer, et voilà. Et pour une première en Espagne pour nous, ben, j'en prends plein les yeux. Allez, on continue. No way, no. Maybe I can't let go. Les amis, direction la première grotte. Fameuse grotte espagnole. Allez, on va aller voir ça. C'est parti les gars.
notre guide devant nous, Salma. Ici, ils appellent ça la pointe du chat. Si vous regardez bien, ça ressemble à un petit chat. C'est marrant. On va essayer de s'approcher. Alors ici t'as même carrément le mec a un garage pour son bateau quoi, énorme. Vraiment énorme. Et voilà les amis, petite halte. Je sais pas où on est, je peux pas vous dire. En fait, moi je découvre, vous voyez, donc... Espagna, ça c'est sûr, mais après on est... Après en Puebla Brava, on prend la direction de la fameuse grotte... L'Arche, la Floradada, voilà. Et du coup, voilà, donc... je découvre petit à petit, je découvre tout seul avec mon copain et... Petit à petit, on se débrouille, hein, ma foi. Voilà, un très joli rocher là. Juste monstrueux. Ah non, c'est de fou là. Ah c'est énorme, énorme. Ah c'est énorme. Attends, je peux pas, je prends un rocher là. Moi, ah ouais. Il y a une crevasse et tout. Ah, on va passer. Attendez.
pas ça. C'est monumental. Allez, vas-y, repasse. En Ardèche. Ouais, bah alors. Mais là, tu te fais encadrer en Ardèche. Attends, ils vont sortir. Alors, mise à l'eau ici à Rosas, donc Navarra, les roues dans l'eau, voilà, ici tu as très peu de fond pour sortir ton jet, mais nous ça va, franchement on n'a pas de peine pour en sortir, puis il y a d'autres gens aussi qui font pareil, donc voilà. Donc si c'est la première fois comme nous que tu viens en Espagne, ici c'est une cale sauvage gratuite. Voilà, si t'as un pick-up, c'est mieux, comme ça pour sortir. Sauf si t'as une remorque double comme nous, c'est mieux. Mais sinon, franchement, il y a même des voitures simples qui arrivent à sortir avec une remorque simple. Avec une corde. Une corde ou quoi, et voilà, tu as toujours moyen de sortir ici. Et voilà, allez, c'est reparti pour une nouvelle journée! Dans une grotte vachement étroite. On va aller voir ça.
maintenant. Attends. Ouh. Oh, c'est chaud. À l'île Mendes. Et voilà, nous voilà au port de l'Estartu. Super joli. Un mélange côte espagnole et un peu comme Côte d'Azur aussi.